Salut, c'est Fred, coach en développement personnel et thérapeute énergéticien. Dans cette vidéo, je voudrais te parler de deux bouquins qui sont vraiment super, donc je t'en parle pour te les recommander. Ok, j'ai pas de lien d'affiliation, c'est-à-dire que j'ai pas de lien à te proposer hein, pour que tu l'achètes en dessous dans le descriptif. Voilà, je vais pas en mettre, mais par contre je te mettrai le nom, l'édition, etc. Je mettrai tout, ok, et comme ça tu pourras aller rechercher par toi-même à l'éditeur de ton choix, enfin au libraire de ton choix, ok, ces bouquins. Parce que je me dis que faire travailler les petits commerçants, tu sais, hein, c'est quand même pas mal, hein, donc commander son livre chez le libraire du coin, c'est un petit plus, quoi. Ok? Plutôt que sur Internet, la Fnac, Amazon, tous ces trucs-là. Bon, c'est mon point de vue. T'en fais ce que tu veux, bien entendu. Ok, le premier livre, il s'appelle Le pouvoir du pardon radical. Ça est peut-être écrit à l'envers. Pour toi, j'en sais rien, en fait. Donc, Le pouvoir du pardon radical. Ce bouquin, il est vraiment super. Les deux sont super en fait, sinon je te les présenterai pas. Ok, c'est un livre de Colleen C. Tipping et c'est un super livre en fait, voilà qui aide à trouver la paix intérieure en fait. Voilà, il démystifie beaucoup de choses au travers de feuilles de travail. Il me semble si hop, elle est où? Il y a une feuille de travail dedans. J'aurais pu la préparer avant. Donc, au travers d'une feuille de travail, en fait, il démystifie complètement la manière de s'aimer, en fait, et le rapport à l'amour de soi, en fait, et les croyances erronées, les préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis des autres, tenant les autres pour responsables de ce que l'on vit, etc. C'est une super approche, j'aime beaucoup. Donc voilà, le pouvoir du pardon radical. Dedans, il y a une feuille de travail que je suis encore en train de chercher, mais que je trouve pas. Mais c'est pas grave, si tu achètes le bouquin, tu vas le trouver. Ok? Elle est ici, voilà. Hop, tu vois, il y a un intérieur. Donc tu peux soit écrire dans le bouquin, mais le truc, c'est en général, c'est quand même bien de le faire à côté. Ça évite. Tu peux du coup prêter le livre à quelqu'un. Ok? C'est un super bouquin. Ça permet de faire le pardon. De pardonner à des personnes, à soi-même en fait, se pardonner à soi-même, c'est surtout ça en fait dans le fond, mais il faut le lire pour vraiment comprendre la dimension, ok? Se pardonner à soi-même et pour trouver la paix en soi, voilà, c'est un super bouquin, c'est aux éditions Guy Trédaniel. Et voilà, c'est top. Alors, je te mettrai, comme je te l'ai dit, le titre, l'auteur, l'éditeur, numéro ISBN aussi, tout ça dans la description, comme ça tu auras toutes les infos pour te le procurer si ça t'intéresse. Voilà, super bouquin à avoir. On devrait l'avoir, ce truc-là, on devrait l'étudier au collège. Tu vois, moi je pense. Voilà, on devrait l'étudier au collège. Et c'est vraiment top. Et aussi, une fois que tu l'as, pas hésiter à le prêter à d'autres. Moi, la copine qui m'en a parlé m'a dit qu'elle l'avait eu, elle l'a prêté, elle l'a lu, ça a changé pas mal de choses dans sa vie. Elle l'a prêté à quelqu'un qui finalement, ça a changé aussi des trucs à tel point qu'elle l'a prêté à quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre, et le livre est quelque part, se promène de personne, de maison en maison, visiblement. Et je pense qu'elle n'est pas un cas isolé, hein. Très certainement que c'est ce qui se passe avec ce bouquin, c'est un livre sûrement qui doit voyager, je suppose. Voilà. Moi, il est toujours à la maison, ok. Je préfère dire aux gens, achetez-le, comme ça, moi, je le conserve, tout simplement. Voilà, il est super, super bouquin, Le pouvoir du pardon radical. Pardon radical. Voilà. Vive la paix intérieure. Voilà. Puisque ce que je suis en moi, ça s'exprime à l'extérieur. Ok, ensuite, deuxième bouquin de Cathy Byron qui s'appelle Aimer sans limite. Aimer sans limite, que seriez-vous sans vos histoires? Ça aussi, c'est un livre super chouette, qui est pareil, c'est un véritable manuel pratique, comme ils disent, hein, derrière. Et donc, c'est aussi autour de cette paix intérieure, mais abordée différemment. Là, on n'est plus sur la notion de pardon et de paix, mais on est sur la notion de mettre en lumière, finalement, l'amour qui est derrière toute chose, qui nourrit toute chose. Donc, il y a aussi une feuille de travail, pareil, du coup, tu peux
avec ta petite, ton petit cahier, reporter la feuille de travail dessus, tac. Voilà, tu fais ton job, répondre aux questions, voilà. Et c'est vachement bien foutu, parce qu'en fait, toute la feuille de travail est conçue sur le jugement de l'autre, voilà, tu lui en fous plein la tronche, quoi. Voilà, il est comme ci, il est comme ça, il est trop pourri, et à cause de lui, je suis une victime de ouf. Ok? Et puis après, tu parcours les pages. Et les parcours des pages, en parcourant les pages, en fait, tu vas avoir 15, ouais, voilà, 15 dialogues entre Cathy Byron, l'autrice du bouquin, ok, et donc des patients. C'est des dialogues en fait autour de différents thèmes. Alors il y a la carrière, l'amour, la famille, la maladie, le deuil, les problèmes financiers, relations avec nos proches et avec nous-mêmes. Donc tout ça, c'est abordé sous forme de conversation, okay, de dialogue comme ça, retranscription de dialogue en fait. Et c'est vachement intéressant puisque ça va t'aider comme ça, vu qu'elle aborde plusieurs thèmes en fait. Ça va t'aider à faire ta propre analyse par rapport à ta feuille de travail, à faire le lien. Tu vas pouvoir faire le lien comme ça, hop, en suivant ta feuille de travail par rapport à tes lectures. C'est super enrichissant, c'est vraiment un super bouquin, aimé sans limite. Voilà, il est aux éditions Synchronique Édition. Synchronique Édition, voilà, je... Ok. Heureusement que c'est mon bouquin. Donc, comme je te l'ai dit, pour l'autre... Le pouvoir du pardon radical, je te mettrai dans la description le titre, ok? Aimer sans limite, l'auteur Cathy Byron, je te mettrai tout, édition, ISBN, la totale, comme ça, tu pourras te procurer ce bouquin si tu en as envie, mais je te le conseille vraiment, il est super. Et c'est aussi le genre de bouquin qui a tendance à voyager quand on le prête. Alors voilà, même technique, moi je dis achète-le, ça vaut le coup. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te conseille, si tu veux, je te conseille, qu'est-ce que je raconte moi? Pff, il est tard, tu vois, il fait nuit dehors là. Et il serait peut-être temps que j'arrête de bosser moi pour aujourd'hui. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite, voilà, c'est plutôt comme ça, hein, et merci beaucoup pour ton attention. Je t'invite à liker, à commenter, à partager cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ok, oublie pas la petite cloche des notifications parce que ça permet justement d'être averti quand il y a une nouvelle vidéo qui paraît. Hop. Et puis voilà, ok, prends soin de toi parce que tu le mérites. Je te souhaite le meilleur. Yes, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!